Allez, salut, salut les gars, voilà, ça toujours moi, sam Pita, et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc, euh, comme je disais, j'ai déjà fait une vidéo en matinée, voilà, où je parlais, comme ça, de la bourse de l'Institut euh, panafricain. Donc, euh, ici, par exemple, comme ça, pour ceux qui veulent postuler, pour ceux qui, pour ceux qui sont bien calés en mathématiques et tout ça, voilà, euh, si vous voulez postuler, il y a une bourse qui, qui vous est destinée, donc... Euh, Essayez de poser cette bourse là. C'est une bourse qui est entièrement complète. Voilà, vous ne payez rien. Tout ce que vous faites, vous devez juste postuler et vous allez être euh, sélectionné pour pouvoir, comme ça, participer à, à une grande sélection encore. Voilà. Et lorsque vous êtes, vous êtes parmi ceux qu'on doit sélectionner, vous allez choisir. De toute façon, vous allez choisir sur le site ici quelle est l'université parce que ici, par exemple, c'est une bourse. Euh, c'est une bourse de l'institut africain de, de sciences mathématiques. Vous comprenez un peu. Donc, ceux qui veulent vraiment postuler, n'oubliez pas, ça concerne que les Africains. Donc, si vous voulez vraiment postuler, vous devez savoir déjà que euh, cette université-là, c'est un groupe et c'est réparti dans plus de sept universités, dans sept pays plutôt. Donc, les sept pays, vous-même, vous allez choisir le pays dans lequel vous voulez poursuivre euh, si vous êtes sélectionné. Donc, ici, pour pouvoir postuler, je répète encore, lorsque vous avez sélectionné, il y aura deux particules, voilà, il y aura deux facultés que vous allez, où vous allez étudier. Il y aura, il y aura la filière de mathématiques, de sciences mathématiques pu et il y aura la filière de mathématiques, voilà. Donc, ici, par exemple, comme ça, si vous venez là, par exemple, pour pouvoir postuler, vous allez venir sur Masters in Mathematical Science, vous voyez ici, c'est ce que je suis en train de vous dire. Soit vous postulez à celle qui est là, voilà, ou bien vous cherchez à postuler à... Euh, Master's Mathematical Science ici c'est co co coopérative et vous venez juste là il y a pour celui de l'intelligence artificielle ici voilà donc même si vous voulez postuler que vous venez là vous cliquez sur, le, cliquez sur le premier ici voilà vous serez redirigé sur cette plateforme là et vous voyez que ici ils ont mis l'application form ça veut dire que vous pouvez cliquer là pour pouvoir aller directement et postuler mais je vais essayer comme ça vous montrer vous dit que la date limite c'est le 31 mars voilà et voici les conditions. Je vais essayer de les mettre en français. Si ça ne passe pas. Je vais traduire pour vous directement. Voilà, donc ici, ça passe. Les candidats, documents de candidature, les candidats doivent, doivent détenir ou, ou s'attendre à obtenir à la date du début de la formation EMS un diplôme universitaire de 4, de 4 ans en mathématiques ou dans toute autre discipline scientifique, euh, ingénierie avec... Euh, une composante mathématique importante. Ça veut dire quoi Ça veut dire que même si vous, vous par exemple, comme ça, euh, étudiez en physique, euh, en physique aussi, on fait les mathématiques. Donc, si vous étudiez en physique ou bien vous étudiez en économie et que vous avez, euh, par exemple, comme ça, euh, une moyenne un peu plus élevée en mathématiques là-bas, vous pouvez tenter votre chance. Voilà, vous n'avez rien à perdre, surtout. Donc, euh, et l'élément, moi, qui me retient ici, c'est quoi C'est ici, les femmes sont fortement encouragées à postuler. Voilà, donc si vous êtes une fille et que vous voulez postuler, sachez déjà que vous avez 50% de chances de battre déjà le garçon qui sera au même niveau que vous. Donc ce que moi je vous euh, recommande, c'est vraiment de postuler. Les dossiers des candidats doivent démontrer euh, des solides compétences en mathématiques. Voilà, c'est ce qui est primordial en leadership et en sciences communautaires. Et c'est ce qui est là, c'est en mathématiques. Donc comme je vous l'ai dit, ce n'est pas forcément ceux qui sont en sciences mathématiques seulement qui postulent. Voilà, mais il y a aussi des étudiants comme ça en physique, en économie, tout ça qui postulent et en voyant un peu leurs euh, leur compétences en mathématiques. Voilà, donc maintenant pour pouvoir postuler, c'est simple. Ici, vous venez là, visitez le lien qui est là ou cliquez sur le lien qui est là, ou bien vous pouvez aller visiter, vous pouvez aller cliquer directement là-bas pour pouvoir postuler. Voilà, donc ici, arrivé là, vous mettez votre email là. Voilà, pour pouvoir vérifier. Donc, moi je vais utiliser le mail de, que j'utilise pour les bourses, je vais utiliser par exemple ici je vais utiliser ce mail là voilà je vais utiliser mon mail qui est là voilà et je vais recevoir un message quand je vais confirmer je vais recevoir un message donc euh, je clique là directement on doit m'envoyer un message voilà ici on dit un mail a été envoyé veuillez vérifier le lien envoyé à votre boîte de réception pour procéder à compléter votre application donc je vais aller sur ce lien là et puis essayer de faire quoi de euh, de confirmer mon mail et pouvoir maintenant pour, pour ok donc euh, j'ai vu comme ça qu'il y a un mail ici donc je vais cliquer sur le mail ici ils ont mis access to m's application database donc je clique là et ils ont dit qu'il y a français et tout ça voici français voici anglais donc vous choisissez ce que vous voulez. Si c'est en anglais que vous êtes mieux, vous cliquez là. Si c'est en français, vous cliquez là pour pouvoir suivre et aller comme ça remplir votre formulaire. Donc moi, je clique sur français. Voilà pour mieux. Euh, comme je le disais encore, vous n'êtes pas obligé de traduire vos documents seulement. Ça va dépendre d'où vous voulez vraiment aller étudier. Si moi, je vais aller étudier au Ghana, donc ça veut dire que directement, je dois traduire parce que le Ghana fait partie de, des pays qui accueillent les étudiants. Donc, si moi, je vais aller au Ghana directement, je... Euh, je traduis mes documents en anglais et puis je choisis anglais pour que ma, ma page puisse s'afficher en anglais. Vous comprenez? Moi, c'est en français, donc je considère que je vais aller étudier peut-être au Sénégal ou bien au Cameroun. Voilà. Donc, ici, voici les éléments que vous devez remplir. Voilà. Une fois que vous finissez, vous allez cliquer sur Create Application. Voilà. Donc, euh, pour ceux qui sont intéressés, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez, vous pouvez essayer de postuler. Maintenant, si vous ne pouvez pas postuler, Essayez de laisser un commentaire, je vais comme ça essayer de vous aider, essayer aussi de répondre à vos questions. Donc, ici, nom de famille, prénom, date de naissance, ça, ça va. Euh, sexe, situation familiale, ça, ça va. Voilà, date de naissance, ça va. Pays, résidence permanente, ça va. Nationalité, c'est bon. Euh, Possédez-vous un passeport, vous pouvez mettre non ou bien oui. Voilà, si vous mettez non, ici, ils vont. Numéro de téléphone joignable, si c'est oui, ils vont vous dire. Ici, vous pouvez indiquer comme ça la date d'expiration du passeport. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez mettre non. ce n'est pas un problème. Vous pouvez mettre non. et puis euh, essayer de remplir les autres parties. Voilà. Et ici, ce que je voulais dire aussi, ceux qui n'ont pas encore eu leur diplôme, vous pouvez déjà postuler. Et jusqu'à ce que la date arrive, vous devez forcément avoir votre diplôme pour pouvoir poursuivre. Voilà. Donc, vous mettez les adresses et tout. Au moment de cette demande, après l'EMS, êtes-vous un réfugié Non, vous n'êtes pas réfugié ici. Euh, ici avez-vous Candidature déplacée Non, voilà, êtes-vous atteint De quelqu'un, non, si c'est oui Vous mettez oui, après ça vous remplissez Les personnes à, à appeler en cas d'urgence Voilà, ça c'est optionnel Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de remplir, mais remplissez quand même Si vous êtes bon en anglais Si vous maîtrisez en anglais, vous allez mettre Voilà, base ou bien langue maternelle Voilà, si c'est français ici Pour moi par exemple français je vais mettre langue maternelle Ici, ici aussi je vais mettre langue maternelle on m'a dit de compléter d'abord les éléments qui sont au-dessus avant de pouvoir arriver là. Donc, euh, étant donné que moi, je n'ai pas complété. Alors, ce n'est pas un problème. Donc, ici, par exemple, comme ça, êtes-vous affilié à AMS Non, on n'est pas affilié. Voilà. Ici, pour vous rassurer que ceci n'est pas un spam, veillez résoudre X dans l'équation suivante X moins 786 égal à quoi C'est pour juste vérifier si vous n'êtes pas un robot. Donc, X moins ça x moins 786 sont égal à 0. Ça veut dire que x sont égal à quoi 786 qui est là. Donc vous venez vous coller là. Voilà. Je répète encore, ceux qui veulent des suivis en mathématiques et tout ça, vous pouvez déjà nous contacter. On va essayer de bosser ensemble. Voilà, en ligne, bien sûr, pour vous aider. Donc une fois que vous finissez là, par exemple, euh, vous pouvez cliquer là sur créer, euh, create file, profile. Et vous, avez, vous allez déjà créer votre profil. et une fois que vous faites écrire maintenant le profil, ils vont vous rediriger sur une autre plateforme. Voilà. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas. Essayez de me contacter. Essayez de m'écrire une box. C'était juste euh, vous montrer un peu que ce n'est pas compliqué. Vous-même, vous pouvez le faire tranquillement et sans problème. Donc les gars, c'était moi, Sam Hospital. Si vous avez des questions, n'oubliez pas. Laissez les questions en commentaire, je vais vous répondre. A plus les gars.